Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sophie et là aujourd'hui en fait je vous emmène faire un petit tour d'un étang dans lequel je viens souvent. Et j'ai tourné cette vidéo en fait sur 2 jours. Un jour où il faisait super gris, il y avait une ambiance un peu spéciale autour de l'étang parce que voilà, c'est après la tempête qu'il y a eu en début janvier 2018. Et tout a été inondé, donc il y a des endroits qui sont encore sous l'eau. Il y a eu des coulées de boue, il y a eu. Puis l'eau, il est vachement haut. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, le premier jour, il va faire un peu gris. Et le deuxième jour, je suis revenue avec la caméra et il fait un super soleil. Donc j'ai pu faire des images assez sympas. Donc je vous emmène avec moi voir tout ça. À tout de suite! Alors là, je fais un petit tour d'horizon de l'étang. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a 3 jours, c'était complètement inondé. L'eau, on va aller voir, on va s'approcher de l'eau. Là, il y a plein de petites miettes là, de végétaux qui ont été charriés par la rivière. Ici, c'était recouvert d'eau en fait. Là, l'eau elle est toute boueuse. Je sais pas si on voit bien dans la caméra, mais tout a été complètement enseveli d'eau. Je profite d'une petite promenade pour m'aérer un petit peu. C'est un étang qui a 5 minutes de chez moi ici. Et j'aime bien venir parce que c'est calme, c'est toujours bien entretenu. Mais là, je suis venue en fait faire un peu voir à quoi ça ressemblait après l'inondation. Parce qu'il y a eu la Moselle qui est vraiment sortie de son lit et qui a tout recouvert. Là, je vous montre là-bas, il y a le village. Et depuis le village, on voyait l'eau en fait. Et voilà, c'est bien redescendu, mais on voit qu'elle est quand même assez haute. D'habitude, là, il y a une petite descente normalement. Mais ah, ça fait drôle de voir mon petit étang où j'aime bien venir ici dans un état comme ça parce que voilà quoi, c'est un endroit que j'aime bien. Ici, normalement, il y a un chemin. Mais il y a plein d'eau. Je crois que je vais passer, je vais enlever mes godasses et puis je vais y aller pieds nus. Alors là, je suis en train d'enlever mes godasses parce que pour traverser ça, normalement, c'est le chemin. Et comme c'est bien rempli d'eau, bah, je vais enlever mes chaussettes et mes chaussures. C'est même profond, hein. Là, c'est catastrophe. D'habitude, il y a un chemin normal. Et là, il y a des gros cratères. Bon Dieu. Elle a pas fait semblant, la Moselle. Hein. Quel trou, quoi. Vache. Oh.
Et l'herbe, elle est tombée carrément, ça fait des croûtes. Wow. Bah voilà, c'était une petite promenade sympa. Après presque un mois, j'ai quasiment pas fait de sport. D'habitude, je fais au moins trois fois, ouais, bien trois fois. En général, c'est plus tous les jours. Mais là, bah, avec l'hiver, les inondations, les fêtes, j'ai quasiment pas fait de sport ce mois-ci. Et ça me manquait trop là de faire mon petit tour. Et ouais, c'était un peu triste, un peu spécial comme ambiance avec voilà, les restes de l'inondation. Mais bon, bientôt le printemps va arriver. Et puis je pense que je vous emmènerai avec moi à la montagne. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en recevoir d'autres, bah, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!